SLAM est une recherche action collaborative. Le concept d'une recherche action collaborative est l'idée d'un rapprochement entre chercheurs universitaires et praticiens enseignants. Dans ce rapprochement, les chercheurs sont considérés comme des partenaires et ils travaillent conjointement avec les intervenants du milieu scolaire. Le principal objectif d'une telle recherche est de produire des connaissances pratiques. SLAM s'inscrit dans ce concept, car ces 4 chercheurs du milieu universitaire du Québec et environ 45 intervenants issus de 2 commissions scolaires qui sont réunis avec le même désir d'améliorer la compétence en lecture des élèves. La situation de lecture à l'étude dans ce projet de 3 ans est l'apprentissage par la lecture en contexte de littératie médiatique multimodale et d'inclusion scolaire. Le projet, qui s'intéresse à des études de cas, se déroule en 2 étapes. Lors de la première étape, les participants se sont appropriés les connaissances scientifiques et pratiques sur l'apprentissage par la lecture, la littératie médiatique multimodale et l'inclusion scolaire. Ils ont mis en commun leur expérience propre et un enseignant a expérimenté une première activité. La deuxième étape, qui s'amorce en septembre 2016, engage environ 350 participants, car 10 enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que leurs élèves, vivront à leur tour l'expérience. Suite à cette recherche, des recommandations seront faites pour les politiques, plans et programmes de formation des élèves. Donc, qu'est-ce qu'apprendre en lisant? Bien, à l'école, les élèves ont à apprendre sur différents sujets, que ce soit en univers social, en sciences, en maths. Et on a à lire, on a à s'informer sur différents sujets et ça passe souvent par la lecture parce que c'est un moyen disponible en tout temps, partout, avec Internet, il y a beaucoup de choses accessibles et qui permettent aux élèves de lire sur certains sujets, de retourner lire s'ils en ont besoin et d'aller chercher l'information nécessaire pour faire le projet ou réaliser l'activité qui est ciblée. La littératie médiatique, c'est l'habilité à accéder à des textes multimodaux, c'est-à-dire qui combinent différents langages, langage textuel, iconique, musical particulièrement, à les analyser et à les évaluer ou à en créer à travers une variété de contextes. Pour commencer, l'OPL, c'est 2 parties. Une partie de stratégie où on essaie de voir comment ressortir des éléments importants. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la deuxième partie, c'est d'apprendre à partir de la lecture la structure du texte justificatif. Alors, on a fait la jonction entre les deux. Donc, avec les stratégies qu'on a expliquées au début de l'année et qu'ils ont apprises et qu'ils ont intégrées, ils ont été capables d'intégrer ça pour faire l'apprentissage par la lecture comme tel. Bien, je suis totalement conquis par le travail qu'ils ont fait. Je suis très fier de mes élèves. Quand j'ai présenté la structure du texte justificatif dans une bande dessinée, je pensais que c'était une affaire qui ne demandait pas tant d'ouvrages que ça. Grâce au travail collaboratif, au travail d'équipe, on était capable de revoir ça. Mais au début, c'était complètement abstrait. J'ai dit ça là, comme idée. Là. Puis à la fin, quand j'ai vu les résultats, j'ai dit, ben c'est possible. Tout est possible en réalité. T'sais, quand on a des gens de bonne volonté qui veulent travailler en équipe, avec une équipe aussi de direction qui sont en arrière de nous autres, je pense qu'on est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Puis, le plus important, ça a été signifiant. Les gens ont fait un travail qui va leur servir.